En général, ben, le attaché de presse, d'abord, je dis tout le temps chargé de presse parce que c'est un métier qui n'est pas aussi facile qu'on le croit. C'est un métier où il faut beaucoup, beaucoup travailler, où on ne compte pas ses heures. Et le travail en lui-même, c'est un peu le rapport d'abord avec tous les journalistes, avec les gens de radio, les gens de télé, la presse écrite et maintenant le net. Et parallèlement à ça, le rapport aussi avec les producteurs, les distributeurs, les réalisateurs et les acteurs. On est un peu au milieu de tout ça pour faire que les choses soient gérées au mieux. Ah ben, ça, y a quand même souvent 5 mois de travail. C'est-à-dire, il y a la préparation du dossier de presse. Le dossier de presse avec tous les renseignements, tous les éléments qui sont avec le film. Ce dossier de presse, une fois qu'il est prêt et qu'on l'a conçu, on l'envoie donc partout, enfin dans journaux, radio, télé, net. Et puis après, on montre le film lorsque le film est prêt, c'est-à-dire souvent 2 mois avant la sortie. On le montre d'abord au mensuel, à la presse mensuelle, ensuite aux hebdomadaires. Ensuite le net, les radios, les quotidiens et les télévisions. C'est un travail oui, qui dure en gros 2 mois. Et on tient également le planning, on propose aux acteurs et aux réalisateurs le choix des émissions qui vont avec le film, quoi. Le principal, c'est de bien faire son travail. Et puis voilà, les choses viennent. Vous savez, la pub, moi, j'y crois pas tellement. C'est tout. Depuis le temps que je fais ce métier, tout m'a été amené par mon travail. Et le fait d'essayer de le faire au mieux, en se prenant pas au sérieux et en, voilà, et en travaillant toujours comme si c'était la première fois. Chaque film est comme un premier film. Comme la première fois. Voilà. C'est un peu autre chose. D'abord, il y a moins de temps donné, bien sûr, mais il faut quand même. Si on veut le faire sérieusement, il y a quand même du boulot. Voyez, il faut tout de suite envoyer les dates du festival, qu'est-ce qui s'y passera. Ça, c'est quand même. On le fait souvent 2 mois à l'avance. Ensuite, ensuite, quel journaliste on va faire venir au festival, et puis voir qu'est-ce qu'on leur montre, qu'est-ce qu'on peut faire à l'entretien. Et puis on aide aussi à la venue des personnalités. Vous voyez, là, par exemple, c'est mon bureau qui a fait venir Juliette Binoche en tant que présidente. J'ai jamais compris. C'est magique. Je veux dire, moi, ce festival, la première année, bon, tout le monde n'était pas né, certainement. Je l'ai fait en 96. Et c'était pareil. Il y a un engouement, une ambiance. Moi, j'avoue que ce festival m'a porté bonheur de par les gens que j'ai rencontrés. Et j'ai la chance d'avoir rencontré, souvent parmi les stagiaires d'ailleurs, qu'on me proposait au bureau, des gens que j'ai ramenés à Paris et qui sont maintenant attachés de presse en télé, en radio, à mon bureau. Voilà, mon associé. Qui travaille avec moi maintenant depuis 25 ans, Tony Arnoux, j'ai rencontré, il était stagiaire ici à la Cato, à Angers. Voilà, donc non, c'est un. Il y a une magie dans ce festival qui fait que, même avec des films difficiles, on est heureux d'y être. Moi, j'y viens chaque fois comme si j'étais en vacances. C'est un bonheur total d'être là.